Extraction de gravier sur Badelundahausen Le sable de l'esquerre de Badelundahausen a toujours attiré la convoitise. Il fut d'abord utilisé pour améliorer les chemins sur les terres très argileuses. Il joua plus tard un rôle important lorsque les maisons de bois furent remplacées par des maisons en pierre et en briques. De nombreuses gravières furent exploitées dans cette esquerre. C'était au début de petites carrières, Appartenant à des paysans, mais elles furent remplacées au début du XXe siècle par des carrières plus importantes exploitées par des acteurs industriels. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la ville de Westeros connut un regain de construction qui fit augmenter la demande de sable. Les années 1950-60 furent une période d'exploitation massive dans toutes les carrières de gravier de l'Esquerre. Pendant les années 1970 et 1980, on commença à combler les grandes fosses creusées dans l'esquerre en utilisant des matériaux de remblai. Des arbres furent également plantés, mais il reste aujourd'hui un important travail à faire pour effacer les traces de l'exploitation des gravières de badelundhausen Dans les années 1930, les godets des excavatrices s'approchèrent dangereusement du grand labyrinthe antique de type blé.